بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alors, la dernière fois, hier, nous discutions concernant l'importance humilité et nous discutions aussi concernant l'arrogance. Oui. Qui fait et comment l'arrogance est capable de détruire nous. Aujourd'hui, nous causons un peu la même. Nous gagnons une parole de Hadrat Aïcha, radiyallahu ta'ala anha. Hadrat Aïcha, qui s'en allait, l'épouse de Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, et nous appelait Ummul Mu'minin. Nous appelait Ummul Mu'minin, maman de ban croyant. Alors, Hadrat Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, lui dit une parole. Vous connaissez qui parole lui dit? Lui dit certainement, je te néglige meilleur de ban ibadet. Certainement, je te néglige meilleur de ban ibadet. Afdalu l'ibadet. Meilleur de ban ibadet. Alors, là, qui qu'en demande dit? Mais meilleur de ban ibadet, c'est quoi? Meilleur de ban ibadet, c'est quoi? Les réponses, les dire, c'est at-tawadu', humilité. Opposite de l'arrogance, grand noir. C'est opposite, c'est contraire. Alors, être humble à cause d'Allah, c'est un ibadet, ça. Et ça même nous en prendre dans le hadith hier, qui celui qui lui reste humble à cause d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala lui osajimunna so, lui élevé so grade. Imam Hassan Basri, rahmatullahi ta'ala alayhi, ça aussi une grande personnalité, lui dit une parole. Maintenant, il peut expliquer nous humilité. Comment nous besoin d'une humilité dans la pratique? Il dit, est-ce que je connais c'est quoi humilité? Est-ce que je connais c'est quoi? Il dit, أن تخرج من بيتك حين تخرج فلا تلقى مسلما إلا رأيت أن له عليك الفضل. Il dit, humilité c'est ça, ou sortir des pieds ou la case, et chaque musulman qui vous soigne, ou considère ça l'autre musulman là, meilleur qui vous. Ou sortir des pieds ou la case, ou bien marcher le chemin, ou bien aller en place, chaque musulman qui vous soigne, ou considère lui meilleur qui vous. C'est-à-dire, ou pas considère ou meilleur. L'impossible, ou est en connaissance plus qu'il y. L'impossible, ou fait ibadet plus qu'il y. Mais seulement demain qu'il est capable de venir ou pas connaître. Ne pas connaître. Alors, ou reste humble, ou considère lui meilleur qui ou. Chaque musulman qui vous soigne, ou considère lui meilleur qui ou. Alors, comme ça, nous parlons la main, fin montrer. Humilité. Nous gagnons, et là, danger de l'arrogance nous apprend. Nous gagnons un hadith paré de Sahih Muslim. Qui une fois, il dit, un jimun, rajulan, anna rajulan, akala inda rasulillahi, sallallahu alayhi wa sallam, bishimalihi. Une fois, un rajul qui veut dire, man, oui, un jimun, right, un monsieur qui l'itch peut faire akala, l'itch peut manger inda rasulillah, l'itch peut manger contre rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bishimalihi, avec sa main gauche. Il peut manger avec sa main gauche. Faqala, alors Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam finjali, kul biyaminik, mange avec ta main droite. Nous n'avons qui injali, mange avec toi la main droite. Sajimunna fin répond, la astatuiru. Sajimunna répond, li dia, mo pa capable. Aster. Sajimunna li, li pati n'a aucune raison valable. C'est pas sur la main droite malade ou bien. Il pe n'a aucune raison valable. Hadith la dia nous, qui
ma mana'ahu illa al-kibr. Ce qui fait n'empêche sa djimouna, mange avec la main droite, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam fin djari, c'est zis kibr, l'ogaï, les grands noirs. Qui fait le Nabi fin djari? Tu peux comprendre? Alors les grands viennent, ils dans l'âge, ils finissent un grand adulte, le Nabi djali mange avec la main droite, il n'est pas content. Sur l'arrogance, pan, comment dire, permet-lui, pratique ce qui Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Alors, là, nous Nabi finjali une parole, nous Nabi jali, lasta ta'ata. Tu n'es pas capable. Dis-moi, là, qui te répond, quand nous Nabi jali mange avec toi la main droite, les tidiens, mon pas capable. En réalité, les tidiens capables. Mais c'est sur l'arrogance, sur l'orgueil, le grand noir, ça finit en pestie. Alors, nous Nabi dit, lasta ta'ata, tu n'es pas capable. Mais quand nous Nabi India, ça, hadith là, j'ai nous, fama rafa'aha, il a fille. Sa djimouna, depuis sa jour là, sur la main droite, n'a pas levé, n'a pas venu jusqu'à sur la bouche. Ce qui nous Nabi India dit, tu n'es pas capable. Tu n'es pas capable. Alors, qui dit-il bien faire sa djimouna? Les Tibisins, écoutez, quand nous Nabi Finjali mange avec de la main droite, les Tibisins mangent avec de la main droite. Alors nous aussi, parfois, quelqu'un venait de nous un bon conseil. Ok? Ne pas écouter. Qui fait? Nous arrogants, nous grands noirs, nous penser nous supérieurs. Rappelle ça bien tout le temps. N'importe combien grand on venait, ou bien considère ou petit tout le temps. Qui nous dit là? Combien grand tu es venu? Combien grand du monde capable de considérer toi? Mais toi, tu es bien considéré toi petit. Tu es bien une humilité dans toi. N'importe qui s'en a venu donner un bon conseil, qui est bien faire? Écoute-les. Pratiquez. Hein? Astère? Nous racontons une petite histoire depuis le livre de l'imam Razali, Mukashafatul Qulub. Guette l'arrogance, ce danger. L'arrogance, bien dangereuse. L'arrogance, est capable de détruire tout bon action. Shaitan, il détruit, il nous raconte, non? Et nous, nous causons en détail dans l'histoire du Shaitan. Mais là, nous avons l'imam Razali qui écrit. Imam Razali écrit. Il dit que dans Banu Israël, Banu Israël, c'est peuple avant, Ummat avant. Alors, dans Banu Israël, il y a un djimon qui peut faire beaucoup de péché, beaucoup de guna li faire. À tel point, comment dire, ce djimon-là, tu finis renommé comme un gunegar, comme un djimon qui fait beaucoup de péché, beaucoup de sin, il fait beaucoup de péché. Comment tu es tantôt, il fait guna. Tout le monde est venu connu. Seulement parfois, un djimon il fait un tout le long de la vie, mais parfois sa conscience reproche-lui. Et finalement, les récits trouvent le droit chemin. Et comprend? Et il vient un bon djimon, il fait tauba, Allah pardonne ce bangouna. Et ça djimon là, il mort avec iman yal de djennet. À cause ça, ça mène un juge un djimon basant le saut apparence actuelle. Oui. Et nous amène nous vis-à-vis une grande loi, si comment dire, nous trop religieux maintenant. Moi, je mettre hijab, moi, là-bas, moi, pratiquant, alors moi, je viens de venir natif. Jamais, moi, pas venir overconfident. Oui, il est bon, moi, je peux faire tout ça là, mais moi, je continuer à faire. Hein? Parce que tout à fait dépend de l'eau, ce dernier moment-là. Comment peut-on? Hein? Alors, de sa personne-là, de Banu Israël, tu peux faire beaucoup péché, beaucoup péché. Mais un jour, comment dire, sa conscience, il reproche-lui. Alors, il peut morcer. L'imam Razali, il racontait, il dit, il peut morcer. Quand il peut morcer, il arrive à une place, là-bas, il y a un abid. Abid. Abid veut dire celui qui fait ibadat. Alors, ça, abid-là, il peut faire ibadat beaucoup. Il peut faire ibadat beaucoup. À tel point, comment dire, les tchénaman karamat tout, d'accord?
Michel Allah son wali d'une façon, veut dire, c'est la karama tout. Mais après, il pouvait dire tout là. Alors, ça, comment ça s'appelle? Sa gouné garda. Il n'arrive que de sa abid là. L'impensé, lui, sa gouné garda. Ça dit, monde qui fait péché là, il n'a pas pensé, il dit, bon, guetté. Je fais beaucoup de gouné. Mais seulement ça, un bon dieu, monde ça. Laisse-moi aller, moi, si je côté lui un peu. Qui connaît? Moi, si je côté lui, moi, reste ensemble avec lui. Allah subhanahu wa ta'ala, fait raham le moi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lui, pardonne-moi. Une bonne pensée, il pas une bonne pensée. Une bonne pensée, très bien. At least, avant cela, il a réalisé qu'il a besoin de faire tauba. Alors, qu'il a fait, il a allé, il a assis près que sa abid là. Maintenant, sa abid là, il peut faire beaucoup d'ibadat. Lui, quand il trouve sa gouneh garde là, ça dit qu'il fait beaucoup de péché là, il a assis côté lui, il commence à gagner honte. Il commence à gagner honte. Honte qui fait, il dit, mais moi, right, ça, moi, là, l'arrogance commence à venir là. Moi, celui qui fait beaucoup d'ibadet. Dis-moi que moi, mon renommé, mon pieux, mon taqi par Hezgar. Mais si un dis-moi qui commet autant guna puis assis côté moi, mon poupé a dit mon honneur. Dis-moi pour mal pas loin. Dis-moi pour critique moi. Dis-moi pour rire moi. Tu comprends? Et là, maintenant, ça, habite là. Lui, comment il peut penser, lui, bon là? Non, pas bon. Oui, le Tibizin pensait qu'il est bon. Ça dit, mon là, il grave, il est grave, mais seulement il fait beaucoup péché, mais seulement là, il est assis contre moi. Peut-être qu'il a envie de s'en aller, il a envie de faire tomber, mon cousin, aide-lui. Oui? Alors, Abid là, finalement, sa mauvaise pensée là. Comme si, sur l'arrogance, il fait, il pense comme ça. Et après, il dit avec sa gounengarde là, avec sa dimoun qui fait péché là, il dit à lui, qu'est-ce qu'il dit à lui? Il dit à lui, levez les pieds là, allez. Levez les pieds là, allez. La passise là. Ça l'est là, Allah subhanahu wa ta'ala, Imam Ghazali dit, Allah envoie révélation. Le nabi qui tient dans sa époque là. Allah envoie wahi révélation. C'est-à-dire, Allah informe. Sa nabi qui tient dans sa époque là, pour wahi, jadi al kut tous les deux, kut abid et sa gounehgar là, al kut tous les deux. Et déjà tous les deux, comment se faire ibadat? Comment se faire ibadat? Hein? Qui fait? Il dit al kut abid là, jadi comme ça, qui à cause de finet arrogant. Tout ce ibadet qu'il a fait dans le passé, tout inal dans de l'eau. Tout une barbare, tout une détruit. C'est pas si arrogant le so. Ben, ibadet. Moi, je fais beaucoup ibadet, moi. Ça dit, moi, comment vous venez à la côté moi, vous gagnez honte. Tout une barbare. Tout une détruit. Tout inal dans de l'eau. Et Allah informe sa nabila, déjà avec sa gounehgar là. Jali aussi commence à faire ibadat parce que lui, sur un péché qu'il tient dans le passé, Allah infini va ordonner. Allah infini va ordonner. Ça, c'est Imam Ghazali de ce livre, Mukashafatul Qulub. Alors, nous bien surveiller, nous léguer à beaucoup. Nous bien surveiller, nous léguer à beaucoup. Shaitan, lui-même, lui dit arrogant. Alors, il nous détruit, pas vrai? Shaitan fait lui aussi un arrogant. Ok? Et parce que ça, Shaitan, il fait nous oublier nous-mêmes. Ok? Il fait nous oublier nous-mêmes. Il fait nous juger un tel. Sana là, il grand noir. L'autre là, grand noir. L'autre là, grand noir. Nous juge tout. Nous pas juge nous-mêmes. Il est bon ça? Non. Nous visons un juge qui s'en a? Nous visons un juge nous-mêmes. Qui nous habitait à dire tout le temps? Juge ou même avant ou être jugé par Allah jour jugement. Juge ou même avant ou être jugé par Allah jour jugement. Alors pas juste un tel arrogant.
si gakoz avec lui, j'ai dit bon, l'arrogance pas bon. Ok, sinon laisse les gagne ou groupe traka. Il y a un coup de doule qui est là, si ou et n'a ça, t'as qu'à bourre là-dedans. Et parfois, on connaît une affaire. Nous juge quelqu'un, par exemple, Mozwan Ndimoun, il n'est pas peut causer. Ok, il n'est pas peut causer. Qui nous habitue à dire souvent, nous dit bon, il n'est pas peut causer à cause du grand noir. Du monde dit ça. Il n'est pas causé à cause du grand noir. Mais il est bon là, on juge. Non, il n'est pas bon. Qui fait? Parce que s'il n'est pas peut causer, ça ne veut pas dire le grand noir. Ndimoun, dans sa nature même, il est comme ça, il n'est pas content de causer. Mais pas vrai. Alors, un tel, le grand noir, il me fait comme ça. Nous, pas besoin d'un tracas, tout ça là. Nous, besoin d'un tracas pour nous. Nous, besoin d'un tracas pour nous-mêmes. Donc, ça, nous, une cause concernant takabur, une cause concernant humilité, de décession, à ce dire, Inch'Allah, que nous pourrons rejoindre. Que nous pourrons rejoindre. Nous pourrons prendre une autre maladie spirituelle. Nous pourrons causer là un petit peu. Oui. Taqwa et Tawba, nous pourrons causer là. Bon, avant de terminer, une parmi les petites choses qui peut tirer à l'arrogance depuis de nous les guerres, c'est faire salam. Ou faire salam en premier. D'accord? Avant, c'est bon, un jour, on finit venir un grand, Alima, c'est pas Alim, Molana, c'est pas qui on finit venir. Ou dire non, on va faire mon salam. Non, ou faire salam. Quand vous faites salam en premier, ça, l'orgueil est là, capable pour diminuer, Inch'Allah. Oui. Donc, Allah Ta'ala de nous trophée. Et nous rejoignons après, Inch'Allah. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين